Et comme nous l'avons précisé à travers l'invitation et la note, il s'agit d'une conférence de presse par laquelle nous avons décidé de fixer notre position sur deux points fondamentaux. Le premier point, c'est l'avancement du dossier Petrocaribe. Et le deuxième point, c'est la violation des droits humains en Haïti. Le premier point, le dossier Petrocaribe. À quelle phase se trouve ce dossier? Jean Empilan nous connaît déjà. Il y a plusieurs étapes que nous avons déjà franchies. Nous avons porté plainte contre le juge et qui était en charge de l'instruction du dossier Petrocaribe par devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Côté dédié Conseil supérieur, CSPJA, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, là, les juges là, mettons-y de l'eau dans du vin. CSPJ pas fait rien. Deux, pas oublier pour te écarter et différents citoyens qui te portent plainte et constituent partie civile dans le dossier Petrocaribe. Jean ça compte fait aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, parce que reconnaître que des associations, des organisations, monde dans la société civile, les ont estimé que les victimes d'une dilapidation de yon fonds, de yon zak, de détournement de fonds publics, yon kapote plainte. Eh bien, nous te fid pour te plainte et qui ça la justice fait, et particulièrement le juge instructeur, il a rendu une ordonnance par laquelle il a essayé d'écarter ses citoyens côté le dit que en face dilapidateur fonds Petrocaribe, Laurent Salvador Lamotte, Juder Védé, Stéphanie Balmy-Vildouin, Jean-Max Belrive et l'autre volé, eh bien, faut que c'est Mirade Morlan, attendez bien, oui, qui sont l'autre Chatmaon Mimimé au PHTK, qui pourra poursuivre l'autre Chatmaon par Elio. C'est comme ça, juge la rendu ordonnance, les quatre noms, mais heureusement, le législateur a prévu ce qu'on appelle les voies de recours. C'est ça que fait rapidement. Nous avons interjeté appel de cette ordonnance et juge là tombé la tentative pour te écarter la tentative pour te protéger voleur délinquant corrompu PHT Kayo. Trois, faut que nous doutons que l'étape la plus importante que nous avons franchie, c'est le recours en dessaisissement que nous avons entamé par devant l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation. Tout le monde connaît ça. On n'a pas besoin de gros tonton avocat pour qu'on précise ça. L'écrit noir sur blanc dans le code d'instruction criminelle. Depuis donc parti entamé recours en dessaisissement dans les affaires pénales, on ne parle pas de récusation, on parle de dessaisissement. Dans matière pénale ça. Des pourtant dont parti entamé recours ça, et bien toute l'autre partie yo juge yo doit attendre jusqu'à ce que la Cour de cassation rende arrêt. Malgré le fait ça, ouais juge là te continue à poursuivre. Et forme d'ou bien ça prend plus épatène, c'est que au début de cette semaine, on a été au niveau de la Cour de cassation et nous joindre bon gens information. Des informations qui font comprendre que ces cours de cassation, et particulièrement le président René Sylvestre, qui baille garantie dans le dossier ça, que rien pas jamais arrivé, différents dilapidateurs corrompus volaient fonds Petrocaribe. Et c'est ça qu'il faut être juge instructeur, avec plus tête frette, où elle continuait à faire travail en dehors de la loi. Il continue à attendre monde et les monde. Mais tout, nous pas oublier gros désordre tout posé dans quatre dossiers Petrocaribe à semaine ça qui passé à là. Qui désordre? C'est côté ouais, Sénat, si vous voulez parler comme ça, Sénat bancal là, qui ça le fait? Il s'est arrogé le droit de remettre
à Monsieur Jude Joseph les deux autres tranches du rapport d'audit. Mais ça, pour nous connaître, c'est que Jude Joseph, monsieur, se trouve à la tête d'un gouvernement de facto. Monsieur n'est pas reconnu par le Parlement. Monsieur n'est pas rentré. L'État, il n'y a pas qu'on baille ça, il n'y a pas qu'on joute la même. Et que le Sénat n'aurait pas dû lui remettre ses rapports. Mais, Wabda Kouavem, quand le procès Petro-Caribé sera devenu beaucoup plus sérieux, on ne pourra pas s'adresser à Jude Joseph. Quand la justice aura prétendu avoir besoin de ses rapports, pas de pièces pour nous parler à Jude Joseph. Parce que qui est-ce lié? Mais femme de tout, si Jude se respectait, il ne devrait pas accepter de recevoir ces rapports. Puisque le connaît l'illégal, le de facto, la constitution pas reconnaître monsieur, c'est parce qu'elle pas respecté tête li qui fait l'aller le prend yo comme ça. Et yo dit que l'homme monsieur prend yo wa. C'est pas innocent, n'est pas comme si comme ça le prend ou non. Gè travail tout que monsieur pral besoin faire dans rapport ça yo. C'est-à-dire, monsieur Jude Joseph, il a accepté de rentrer dans cette logique, c'est dans la perspective de parvenir à protéger les dilapidateurs. C'est dans la perspective de parvenir à faire diversion. Et nous comprenons tout ça. Nous comprenons tout ça. Et c'est ça que fait estimer que c'est nécessaire pour nous venir fixer position en dans conférence. Forme de tout. Et pas oublier, dossier Petro-Caribé à tout, son dossier qui est lié à question violation, ou ensemble violation, droit moun qu'a fait dans le pays, je ne j'ai dit à la. Ou tende gang pas si pas là. Ou tende gen fédération gang yo. Ou tende dernièrement là, le 17 octobre 2020, en Rodelma 95, nek chargé avec ZAM, Galil, M4, M14, M16, Kalachnikov, pas si pas là. Et quoi, qui ça pral passe? Ou wè, gon série unité spéciale de la police. Kap montan oua, qui ça yo fait? Le oua gang yo. Et pas nous dit l'autre monde qui est informé comme ça. Yo l'anje la me ba gang yo. Yo dit gang yo kebe la. En bas d'Elma, m'ba besoin de tout ça pour ça que t'as passé jou ça. Allemande monsieur barbecue. La dou qui ça que pare, t'as tant de population en bas d'Elma. Et tenez bien oui. Tout ça yo, gen l'autre encore oui, blocage, la paralysie des activités au niveau de la justice. Parce que maintenant pas la rôle là, pas occupé pièce pour m'kap dou la justice a fonctionné. Pas ça. La preuve où tout dossier nous parlons là, ces dossiers sont bloqués au niveau de la justice. Dossier massacre la Saline, Tokyo, Kafou Fey, dossier Demalog, pardon, Demalog, tout dossier sont bloqué en bas. Peut-être si un homme a le petit cabrit et que Jovenel pas reconnaît tout, ouais, Martin Moïse pas reconnaît tout, l'autre volet Petro-Caribé pas reconnaît tout, il y a pas reconnaît tout quand même, sous pas proche. Mais la justice ne fonctionne pas. Tout dossier ça yo, blocage appareil judiciaire là, violation droit moun, massacre par ci par là, exécution par ci par là, et fédération gang yo lié avec dossier Petro-Caribé. Pour qui ça yo lié à dossier Petro-Caribé? Pas oublier que yon la mission fondamentale que ont été confié Jovenel Moïse, c'était arriver à paralyser dossier ça. Pas oublier ce dossier qui va plus être chargé. Le foyer Martin Moïse à Jovenel Moïse. C'est dossier qui va plus être chargé dans le palais national. C'est dossier qui va plus être chargé dans la base PHTK. Voilà pourquoi, journée aujourd'hui à là, nous constatons qu'effectivement, que ces délinquants PHTK sont prêts à utiliser toutes les stratégies possibles et imaginables, tout ce qui est là, pour yokawer comment yoka bloquer dossier. N'a fini pour nous demander population pour continuer faire preuve de vigilance. Là nous adressons à tout professeur, journaliste, avocat, juge et pas juge PHTK ou non, ouvrier, chauffeur taxi, tout le monde net parce que comme là et comme nous lié pour nous faire preuve de vigilance, pour nous participer dans toute activité, dans toute sit-in, marche, manifestation et la trier jusqu'à ce que nous parvenions à récupérer les fonds
Petro-Caribe. Et n'a dit tout que l'anjou qui vient là, n'est-ce pas, coordonnateur? Il y a un sit-in que nous allons organiser. Par devant la Cour de cassation, journée jodi à là, qui s'est monté 77 fois 7 fois, que la protéger. Dilapidateur font Petro-Caribe par tous les moyens. Moi-même, moi c'est Gardi Maisonneuve, directeur exécutif du Centre Calévêque, SKL. Nous avons déploré comment justice a marché dans le pays. Nous. Et nous connaissons justice là, c'est base qui fait toute bagaille pas marcher dans le pays. Parce que si justice a bien marché, tout le monde a peur, tout le monde a organisé pour faire ça qui bien. Depuis justice a mal marché, tout le monde a fait ça ouvri. Nous avons un exemple clair. Ça que fait nèg a volé comme ça, a fait dilapidation, c'est parce que yo connaît, il y a pas déjà toute impunité pour yo faire ça ouvri côté ouvri les ouvri et les eaux poissons encore les gorge, il a fait crime. Et ça que fait un journaliste qui te dit comme ça que question Petro-Caribe a pour faire un pile massacre, a fait un pile crime dans le pays. Et nous constatons déjà. Par exemple, la mort bâtonnier Montfleurier d'Orval. J'en passe. Nous regardons SKL sur un rapport sous la Gonave. Nous prenons exemple, nous prenons échantillon de justice dans le pays. Nous, dans la Gonave, il y a deux mouns, papa et petit, qui ont deux communes qui ont la Gonave. Yo vend justice à moun ki ka bay plus kop. Par exemple, gen yon ti moun 6 ans, yon ti moun 11 ans ki yo di ki fè bagay. Ti gason gen 11 ans, ti fi a gen 6 ans ou 7 ans. Ti gason la gen tan gen 5 mois en prison parce que yo te mande papal $150,000 pour te la gèl, li pa te bay. Yo te vin descend ya $50,000, moun yo pa et 3 kabrit yo te gen, yo te vendi, li pa rive $10,000. Rive $6,000. Donc, nous gardons, nous voyons comment ça. Et dernièrement, nous sortons dans le rapport à tout. Il y a des gens qui prennent la police dans la Gonave, qui l'échelle. Après une semaine, il y a même des gens qui ont volé le cabri, ils ont 8 jours de prison. Donc, depuis qu'ils ont payé, ou pas de problème. Dans Port-au-Prince, nous constatons comment les bandits organisés, fédérés et à la pression. Bandi yo te dit 17 octobre, c'est bien joindre à bien contrer Kaplan la rue. Pas gen youn nan moun qui responsable justice ni dans l'État qui te même frappé peyo pour te faire bandi au pè. Nous comprenons que gen yon complicité entre moun qui a dirigé pays ya avec moun qui a fait qui a fédéré gang, qui a fait crime dans société. Nous même la SKL, nous pas d'accord. Nous connaissons que nous connaissons les gens qui ont parlé de dossier Petro-Caribe, nous comprenons que c'est une blague qui a fait. Ben, si nous n'avons pas une justice là, nous pouvons chercher l'autre côté. Parce que SKL a un pouvoir pour lui mener dossier Petro-Caribe dans l'autre côté. Parce que son crime lié, son crime que nous faisons international, il y a des gens qui ont été et volé à l'étranger là-dedans. Nous pas d'accord Jean pays n'a fonctionné et nous pas d'accord tout Jovenel Moïse décidé pour dire que c'est quatre démalogues là pour moun faire Jovenel Moïse pas gain légitimité pour imposer population ça le penser c'est ça que fait le dit là on rencontre quel te gain à 1000 quel que soit à bon entendeur salut quel que soit l'heure où faire élection nous même n'a prend pouvoir pas gain moun qui ka prendre la main. Et l'elle te dit ça, c'est parce que le connaît, quatre démalogues la fête et c'est le cap gain. Merci. Prince, porte-parole, cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Rapidement, moi parler sur question cambriolage parquet. Hein? Sous note de presse que ministre justice en sortie qui m'a dit circulaire pour l'annuler tout code d'identification nationale et dossier choléra. Alors, il faut dire que. Cambriolage parquet, ce n'est pas une situation qui a étonné parce que nous-mêmes, à travers le cadeau, nous toujours à parler de situations lamentables qui a traversé justice nous. Normalement, moi-même, dernièrement, moi fais une conférence, moi fais un point de presse
dans greffe parquet a pour me montrer tout pays pour montrer toute population maintenant qui est à que greffe nous ayez et l'on considère greffe parquet quel que soit greffe c'est archive tribunal là c'est le poumon du tribunal en matière de dossier maintenant souvenez-vous de nos situations côté que vous venez de nos situations côté que greffe parquet dossier yo en état de délabrement maintenant première question vous poser et moun ki nan prison yo ki conséquences a bien sou yo nous même comme avocat nan kado nous toujours descend al faire des suivis de dossier au niveau du greffe du parquet bon malheureusement c'est rap nous tendez k'ap fè bruit c'est rap k'ap fè petit en dan greffe là c'est poule k'ap couvé nan côté stocké col du délire ça ne veut dire pas là nous voulons expliquer que dossier est en mauvais état moun yo a travaillé très mal moun yo gon chaise a tellement fini pendant chita sous chaise elle tombé maintenant est-ce que en plein 21e siècle nous ca accepter une structure qui fait partie de justice dans état ça maintenant malheureusement yo cambriolé l'a toujours comme ça malheureusement obligé de dire parce que autorité ou pas jamais prend responsabilité pour moderniser greffe là l'entrée la banque faut obligé gon un password un code pour entrer etc. pour qu'ils soient pas modernisés appareil justice comme ça pour qu'ils ça nous toujours aimer fonctionner à l'ancienne pour qu'ils ça autorité ou premier ministre pas doté greffe tribunal là dans un système de technologie de haute pointe. Pour qui ça? Ça a aidé à combattre ça le phénomène de la détention préventive prolongée. Parce que là où même comme avocat arrive dans le greffe, on va faire un dossier, ou qu'on prend 2 heures de temps, 3 heures de temps, on va jouer un dossier. Bon, imaginez, on fait 15 ans, 16 ans, 17 ans en prison, et puis là où même comme avocat dans le greffe là, pour faire suivi dossier ou tout dossier a perdu. Nan ki sort mette moun ça et à qui courage comme avocat pour dire moun nan dossier a perdu. Ou tuer moun nan on l'autre fois encore. Nous même comme cadeau, nous même au niveau du cadeau, nous même qui dans domaine droit moun, nous obligé organiser conférence de presse pour nous aller aux oreilles autorités pour nous dire écoutez, il y a célérité dans l'urgence parce que Cindy combattre la détention préventive pour nous prolonger ces cheval de bataille nous faut commencer par voyer genou sous greffe là sous sécurité greffe là bon ça bon malheureusement dans des autres volé dossier pièce à conviction qui n'a dossier bâtonnier nous est-ce que nous même comme avocat nous avons accepté continuer de travailler dans des situations très difficiles et moi m'a demandé doyen tribunal m'a demandé commissaire gouvernement m'a demandé commis parquet chef greffe en chef là pour prendre responsabilité yo. Si c'est pour nous arriver, pour ne pas travailler, pour exiger que yo moderniser greffe là, faut faire parce que il y va de la liberté des personnes qui résident au centre carcéral que les pénitenciers nationaux. Deuxième point. C'est question circulaire premier ministre là, ministre justice là, qui dit que pour l'annuler code d'identification nationale. Alors on peut comprendre que sous Boniface son décret qui te vine avec code ça. Maintenant, suivant le principe du parallélisme des formes, c'est un décret qui devrait annuler un autre décret. Mais nous avons compris que des gens qui disent ça avocat, arrogé le droit par le biais d'un simple circulaire pour annuler un décret. C'est grave ça. Maintenant, comment avocat on se pose la question, existe-t-il des avocats au sein du ministère de la Justice? Existe-t-il des avocats au sein de ce gouvernement qui peut-être qu'à éclairer les actes de ce oui, de responsable de ce gouvernement? Et qui pisait, nous connaît que une organisation qui t'a fait une action devant le tribunal administratif pour demander la nullité du décret qui vient avec code des malogues là. Maintenant, si le décret est querellé ou pas qu'à dire qu'on décret qu'à annuler le décret. Nous même comme avocat, nous avons dit que circuler ça sur de bon caractère démagogique la donne. Parce qu'en aucun cas, suivant le principe du parallélisme des formes, un circulaire ne peut pas annuler un décret. Ça c'est un.
Deuxième chose, le décret est querellé. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à produire effet encore. Elle dit l'action initiée par les différentes organisations de la société civile, il a un caractère suspensif. Ce qui veut dire que décret qui a cadre dermalogue ça pas qu'à produire effet. Maintenant, nous, même comme avocat, nous avons demandé aux autorités de ressaisir. Et m'a tout profité dénoncer comportement gouvernement parce que leur fait sortir circuler ça, ça veut dire il a fait ça le trafic d'influence. Yo gen t'ap orienté les décisions que pourrait rendre le tribunal administratif. Parce que tout autant pas gon arrêt sorti dans le tribunal administratif qui vous dit si oui ou non ce décret est légal ou illégal, maintenant yo pas qu'à oger le droit par le biais de ces actes administratifs que les circulaires pour a dit que gon circulaire qui a annulé un décret. Pour mettre fin à mon intervention, n'a pas abordé rapidement cette question de choléra. Hier fait 10 ans depuis Népalais est entré, il vient avec une maladie qui est le choléra. Népalais qui infecté presque près de 800 000 personnes. 10 000 personnes mourir. Et jusqu'au moment où nous parlons, aucune personne victime n'a été réparée. Et cette question constitue également une violation des libertés individuelles, une violation des droits humains. Comment nous-mêmes, comme organisme de droits humains, que c'est cadeau, nous carrêtons sans pas dire sur cette question. Et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a reconnu la responsabilité civile des soldats népalais dans le cadre de la transmission de cette maladie. Maintenant, nous-mêmes, comme avocats, nous avons exigé que les personnes victimes de cette maladie mortelle soient réparées. Ils doivent être réparés, et ceci individuellement, pour qu'à permettre mon nom, prendre soin de santé, pour ne pas faire plus mon mourir encore. Merci.